Alors, on est très honoré de la présence du vice-premier ministre et ministre du Tourisme parmi nous pour cette épreuve du Médan, une course qui arrête tout un peuple. Alors, comment vous la vivez justement, cette ambiance, monsieur le ministre? Ben, je suis bien content d'être là. Ça fait assez longtemps que je ne viens pas. Je suis content d'avoir été invité. Et bon, j'ai pris 300 roupies. Là, j'ai mis sur un cheval. J'espère que ça gagne. Je ne suis pas un gros joueur, mais j'apprécie l'ambiance. Je trouve que ça s'est bien amélioré depuis le temps que je suis venu. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique, c'est plus gai. Et je crois que donc c'est bien. J'espère que les courses à Maurice ont une longue vie. Alors justement, bon sang ne saurait mentir, on va vous retourner un peu dans votre enfance. Votre papa, qui était un grand homme de cheval, a remporté justement cette course avec Rome. C'est certainement un souvenir, un bon souvenir pour vous. Je n'étais pas là à cette époque-là, mais quand je suis venu, tout de suite, papa m'a donné un cheval qui s'appelle Aficionado. Ce cheval-là ne cessait de gagner toutes les semaines de cheval gagné. Et puis un jour, il a claqué, je crois. Mais c'était très bien, je venais tout le temps. Mais depuis ça, j'ai cessé. Mais on ne sait jamais, peut-être à l'avenir, je peux revenir. Alors, un pronostic pour vous, est-ce qu'il y a le... Non, non, que le meilleur gars, comme on dit? Oui, je ne sais pas, ça fait trop longtemps que je ne viens pas. Mais j'ai joué, juste pour garder, pour rester dans l'ambiance. Eh bien, merci en tous les cas, vous nous honorez de votre présence et comme on dit, que le meilleur gagne. Un plaisir, merci. Voilà, on va retrouver, bien sûr, Kavi pour la suite des analyses. C'est à vous, messieurs.